learning the first thousand most frequently used words of a language will allow you to understand 76% of all non-fiction writing 79.6% of all fiction writing and an astounding 87.8% .8 of all oral speech. number one un une a an one j'ai vu une femme à l'hôpital. Un de ses bras était cassé. J'ai vu une femme à l'hôpital. Un de ses bras était cassé. I saw a woman at the hospital. One of her arms was broken. Number two. Ah. Two. Je vais à Paris avec mes parents et ma petite sœur cet été. Je vais à Paris avec mes parents et ma petite sœur cet été. I'm going to Paris with my parents and my little sister this summer. Number three. En. In. By. L'an prochain, je serai en Irlande. J'irai en train. L'an prochain, je serai en Irlande. J'irai en train. Next year, I will be in Ireland. I will go by train. Number four. Le. La. Va, je veux adopter le chat et la lapine que nous avons vu au refuge. Je veux adopter le chat et la lapine que nous avons vu au refuge. I want to adopt the cat and the bunny that we saw at the shelter. Number five, et, and, nous sommes faits pour être ensemble, toi et moi. Nous sommes faits pour être ensemble, toi et moi. We are made for each other, you and I. Number six. Être. To be. Pas besoin d'être un champion du monde pour s'amuser au golf. Pas besoin d'être un champion du monde pour s'amuser au golf. No need to be a world champion to enjoy yourself while playing golf. Number seven. De. From. La grand-mère de mon père venait de Pologne. La grand-mère de mon père venait de Pologne. My father's grandmother was from Poland. Number eight, avoir, to have. Il est difficile d'avoir du temps pour soi quand on travaille trop. Il est difficile d'avoir du temps pour soi quand on travaille trop. It is difficult to have time for yourself when you work too much. Number nine. Que. That. Who. Whom. La jeune fille que j'ai rencontrée hier était enseignante. La jeune fille que j'ai rencontrée hier était enseignante. The young lady whom I met yesterday was a school teacher. Number ten. Ne. Not. Je ne crois pas que tu aies fait le bon choix. Je ne crois pas que tu aies fait le bon choix. I do not believe you made the right choice. Number 11. Dans in into. J'ai mis une bouteille d'eau dans ton sac à dos. J'ai mis une bouteille d'eau dans ton sac à dos. I put a water bottle in your backpack. Number 12. Ce, cette, this, that. Ce nouveau magasin vient d'ouvrir de l'autre côté de la rue. Ce nouveau magasin vient d'ouvrir de l'autre côté de la rue. This new shop just opened across the street. Number thirteen. Il, he, it. Il m'a dit qu'il était déjà huit heures. Il m'a dit qu'il était déjà huit heures. He told me it was already eight o'clock. Number fourteen, qui, who, whom. Qui a mangé la dernière part de gâteau? Qui a mangé la dernière part de gâteau? Who ate the last piece of cake? Number fifteen, pas, not, n't. Le concert commence à dix-neuf heures. Ne sois pas en retard. Le concert commence à dix-neuf heures. Ne sois pas en retard. The show starts at seven o'clock. Don't be late. Number sixteen. Pour four. J'ai acheté un bouquet de roses pour ma mère. Ce sont ses fleurs préférées. J'ai acheté un bouquet de roses pour ma mère. Ce sont ses fleurs préférées. I bought a bouquet of roses for my mother. They are her favorite flowers. Number seventeen. Sur, on. Pose les assiettes sur la table et assieds-toi. Pose les assiettes sur la table et assieds-toi. Put the plates on the table and take a seat. Number eighteen. Se, himself herself themselves s'il continue à être aussi imprudent il va se blesser s'il continue à être aussi imprudent il va se blesser if he keeps being so careless he is going to hurt himself number 19 son his her its Elle a invité son mari au restaurant pour la Saint-Valentin. Elle a invité son mari au restaurant pour la Saint-Valentin. She invited her husband to the restaurant for Valentine's Day. Number twenty. Plus, more, no more. Jacques voudrait plus de salade de fruits, mais il n'en reste plus. Jacques voudrait plus de salade de fruits, mais il n'en reste plus jack would want more fruit salad but there is no more left number twenty one pouvoir can to be able to le fait de pouvoir dormir tard le dimanche matin me rend heureux le fait de pouvoir dormir tard le dimanche matin me rend heureux the fact that i can sleep late on sunday morning makes me happy number twenty two par, by. Connais-tu la chanson Une colombe par Céline Dion? Connais-tu la chanson Une colombe par Céline Dion? Do you know the song Une colombe by Céline Dion? Number 23. Je, I. Je crois que ma mère est la femme la plus respectable au monde. Je crois que ma mère est la femme la plus respectable au monde. I think that my mother is the most respectable woman in the world. Number 24. Avec. With. Je suis trop timide pour lui demander d'aller au cinéma avec moi. Je suis trop timide pour lui demander d'aller au cinéma avec moi. I am too shy to ask her to go to the movies with me. Number 25. Tout. All. J'ai reçu tout ce que je voulais pour mon anniversaire. J'ai reçu tout ce que je voulais pour mon anniversaire. I received all that I wanted for my birthday. Number 26. Faire. To do. To make. Pierre ne fait jamais à dîner. Je dois tout faire moi-même. Pierre ne fait jamais à dîner. Je dois tout faire moi-même. Pierre never makes dinner. I must do everything myself. Number 27. Nous. We. Oui. Us. Nous croyons que tu devrais nous accompagner à la fête ce soir. Nous croyons que tu devrais nous accompagner à la fête ce soir. We think that you should accompany us to the party tonight. Number twenty-eight, mettre, to put. Va mettre ton assiette dans le lave-vaisselle quand tu as fini. Va mettre ton assiette dans le lave-vaisselle quand tu as fini. Go put your plate in the dishwasher when you're done. Number twenty-nine, autre, other. Sa voiture ne fonctionne plus. Elle doit en acheter une autre. Sa voiture ne fonctionne plus. Elle doit en acheter une autre. Her car no longer works. She needs to buy another. Number 30. On. Oui. One. On va tous chez Sarah. On pourrait dire qu'elle sait faire la fête. On va tous chez Sarah. On pourrait dire qu'elle sait faire la fête. We're all going to Sarah's. One might say that she knows how to party. Number thirty one, mais, but, elle était réellement une femme forte, mais elle était si fatiguée. Elle était réellement une femme forte, mais elle était si fatiguée. She really was a strong woman, but she was so tired. Number thirty two, leur, there, cette troupe de théâtre est incroyable. As tu vu leur dernière pièce? Cette troupe de théâtre est incroyable. As-tu vu leur dernière pièce? This theater troupe is incredible. Have you seen their latest play? Number thirty Comme, like. Lorsque je serai grande, je ne veux pas être comme ma mère. Lorsque je serai grande, je ne veux pas être comme ma mère. When I get older, I don't want to be like my mother. Number 34. ou, Or. Quelle saveur préfères-tu? Chocolat ou vanille? Quelle saveur préfères-tu? Chocolat ou vanille? Which flavor do you prefer? Chocolate or vanilla? Number 35. Si. If. Si j'étais riche, j'aurais déménagé dans le sud de la France depuis longtemps si j'étais riche j'aurais déménagé dans le sud de la france depuis longtemps if i was rich i would have moved to the south of france long ago number thirty six avant before embrasse moi avant de partir tu vas me manquer embrasse moi avant de partir tu vas me manquer. kiss me before you leave i'm going to miss you. Number 37. Y. There. Paris a l'air magnifique. J'ai vraiment envie d'y aller. Paris a l'air magnifique. J'ai vraiment envie d'y aller. Paris seems wonderful. I really want to go there. Number 38. Dire. To say. Il y a tellement de choses que j'ai envie de te dire avant que tu partes il y a tellement de choses que j'ai envie de te dire avant que tu partes there are so many things i want to say to you before you leave number 39 elle she her elle est malade son père prendra soin d'elle elle est malade son père prendra soin d'elle She is sick. Her father will take care of her. Number 40. Devoir. To have to. To owe. Tu lui dois trois cents dollars. Tu dois absolument le rembourser. Tu lui dois trois cents dollars. Tu dois absolument le rembourser. You owe him three hundred dollars. You absolutely have to repay him. Number 41. Donner, to give. Je n'utilise jamais mon four micro-ondes. Alors je vais te le donner. Je n'utilise jamais mon four micro-ondes. Alors je vais te le donner. I never use my microwave, so I'll give it to you. Number 42. Deux. Il est difficile de trouver un nouvel appartement quand on a deux chiens. Il est difficile de trouver un nouvel appartement quand on a deux chiens. It's hard to find a new apartment when one has two dogs. Number 43. Même. Same. Even. Karine a acheté la même robe, même si je lui avais dit de ne pas le faire. Karine a acheté la même robe, même si je lui avais dit de ne pas le faire. Karine bought the same dress, even though I had told her not to. Number 44. Prendre. To take. N'oublie pas de prendre tes clés avant de partir. N'oublie pas de prendre tes clés avant de partir. Don't forget to take your keys before you go. Number 45. Où? Where? Où vas-tu? Reviens ici tout de suite. Où vas-tu? Reviens ici tout de suite. Where are you going? Come back here this instant. Number 46. Aussi. Also. As. As. Je crois que Marine est aussi belle que l'aurore. Le crois-tu aussi? Je crois que Marine est aussi belle que l'aurore. Le crois-tu aussi? I think that Marine is as beautiful as the dawn. Do you also think that? Number 47. Celui. Celle. The one. Tu vois l'homme dans le coin là-bas? C'est celui dont je t'ai parlé. Tu vois l'homme dans le coin là-bas? C'est celui dont je t'ai parlé. See the man in the corner over there? That's the one I told you about. Number 48. Bien. Well. J'ai entendu dire que Maxime ne se sentait pas bien aujourd'hui. J'ai entendu dire que Maxime ne se sentait pas bien aujourd'hui. I heard that Maxime was not feeling well today. Number 49. Cela. That. De quoi parles-tu? Cela n'a aucun sens. De quoi parles-tu? Cela n'a aucun sens. What are you talking about? That makes no sense. Number 50. Vous. You. Formal. Vous êtes la raison que je suis venue ici ce soir, madame. Vous êtes la raison que je suis venue ici ce soir, madame. You are the reason why I came here tonight, madame number fifty one encore again yet oh non pas encore nous ne sommes même pas encore partis oh non pas encore nous ne sommes même pas encore partis oh no not again we didn't even leave yet number fifty two vouloir to want il est normal de vouloir être aimé il est normal de vouloir être aimé. It is normal to want to be loved. Number fifty-three, nouveau, nouvelle, new. J'ai besoin d'une nouvelle chemise pour le mariage de ma sœur. J'ai besoin d'une nouvelle chemise pour le mariage de ma sœur. I need a new shirt for my sister's wedding. Number fifty-four, aller, to go. Je t'amènerai jusqu'au bout du monde. Où veux-tu aller? Je t'amènerai jusqu'au bout du monde. Où veux-tu aller? I would take you to the end of the world. Where do you want to go? Number 55. Entre. Between. Il n'y a plus de magie entre nous. Il n'y a plus de magie entre nous. There is no more magic between us. Number 56. Premier. Première. First. La compétition s'est très bien déroulée. Philippe a terminé premier. La compétition s'est très bien déroulée. Philippe a terminé premier. The competition went really well. Philippe finished first. Number 57. Aucun. Aucune. None. No. Il n'y a aucune voyelle dans mon nom c'est vrai il n'y en a aucune il n'y a aucune voyelle dans mon nom c'est vrai il n'y en a aucune there is no vowel in my name it's true there is none number fifty eight déjà already pardon je ne savais pas que tu étais déjà là pardon je ne savais pas que tu étais déjà là sorry I didn't know you were already here. Number 59. Grand, grande, tall. Je ne peux pas sortir avec cette fille. Elle est beaucoup trop grande. Je ne peux pas sortir avec cette fille. Elle est beaucoup trop grande. I can't go out with this girl. She is way too tall. Number 60. Mon, ma, my je déteste laisser mon chien seul à la maison je déteste laisser mon chien seul à la maison i hate to leave my dog alone at home number sixty one me myself je dois être prudent avec ce couteau j'ai failli me blesser la dernière fois je dois être prudent avec ce couteau j'ai failli me blesser la dernière fois I must be careful with that knife. I almost hurt myself last time. Number 62. Moins. Less. Ce serait bon pour ta santé si tu essayais de manger moins gras. Ce serait bon pour ta santé si tu essayais de manger moins gras. It would be good for your health if you tried to eat less fat. Number 63. Quelques. Some. j'ai ramené deux pommes et quelques abricots de l'épicerie. j'ai ramené deux pommes et quelques abricots de l'épicerie. i brought back two apples and some apricots from the grocery store. number sixty four. lui. him. her. il lui a demandé d'aller au bal avec lui. mais elle a dit non. Il lui a demandé d'aller au bal avec lui, mais elle a dit non. He asked her to go to the ball with him, but she said no. Number 65. Un temps. A time. Il fut un temps où l'essence coûtait moins d'un dollar le litre. Il fut un temps où l'essence coûtait moins d'un dollar le litre. There was a time when gas cost less than one dollar per liter. Number 66. Très, very. Le gâteau à la vanille de ta mère est très bon. Le gâteau à la vanille de ta mère est très bon. Your mother's vanilla cake is very good. Number sixty-seven. Savoir. To know. Il est important de savoir cuisiner lorsqu'on habite seul. Il est important de savoir cuisiner lorsqu'on habite seul. It's important to know how to cook when you live alone. Number 68, falloir, to need, to require. Il va falloir que tu remettes ce devoir avant mercredi. Il va falloir que tu remettes ce devoir avant mercredi. You will need to hand in this homework before Wednesday. Number 69, voir, to see. Le soleil brillait si fort qu'elle n'arrivait pas à voir la route. Le soleil brillait si fort qu'elle n'arrivait pas à voir la route. The sun was shining so bright that she could not see the road. Number 70. Notre. Our. Nous avons finalement réussi à vendre notre maison. Nous avons finalement réussi à vendre notre maison. We have finally managed to sell our house. Number 71. Sans. Without. Dites ce que vous voulez, mais je préfère manger mes céréales sans lait. Dites ce que vous voulez, mais je préfère manger mes céréales sans lait. Say what you will, but I prefer to eat my cereal without milk. Number 72. Don. Whose. Of which. Le voisin dont la femme est décédée l'an dernier vient de déménager. Le voisin dont la femme est décédée l'an dernier vient de déménager. The neighbor whose wife died last year just moved away. Number seventy-three. Une raison. A reason. Donne-moi une raison de ne pas te jeter dehors. Donne-moi une raison de ne pas te jeter dehors. Give me a reason to not kick you out. Number 74. Le monde. The world. People. Nous vivons dans un monde où le monde est trop centré sur lui-même. Nous vivons dans un monde où le monde est trop centré sur lui-même. We live in a world where people are too self-centered. Number 75. Non. No. Not. Non, non, j'ai demandé de l'eau et non du soda, non gazeuse. Non, j'ai demandé de l'eau et non du soda, non gazeuse. Non, I asked for water, not soda, non carbonated. Number seventy-six, Monsieur, Mister, Sir, Monsieur. Je crois que vous n'avez pas encore payé l'addition, monsieur. Je crois que vous n'avez pas encore payé l'addition. Sir, I believe you haven't paid the bill yet. Number 77. Un an. A year. Ça fait déjà un an que j'ai vu ma cousine Sophie. Ça fait déjà un an que j'ai vu ma cousine Sophie. It's already been a year since I've last seen my cousin Sophie. Number 78. Un jour. One day. Un jour, j'étudierai dans une université réputée. Un jour, j'étudierai dans une université réputée. One day, I will study in a reputable university. Number 79. Trouver. To find. J'ai cherché partout, mais je n'arrive pas à trouver mes clés. J'ai cherché partout, mais je n'arrive pas à trouver mes clés. I looked everywhere, but I can't seem to find my keys. Number eighty. Demander. To ask. Je ne sais pas. Va demander à ta mère. Je ne sais pas. Va demander à ta mère. I don't know. Go ask your mother. Number 81. Alors. Then. Le voyage est annulé. Qu'est-ce qu'on va faire alors? Le voyage est annulé? Qu'est-ce qu'on va faire alors? The trip is cancelled? What are we going to do then? Number 82. Après. After. Je dois aller chercher ma petite sœur après l'école. Je dois aller chercher ma petite sœur après l'école. I have to go pick up my sister after school. Number eighty-three. Venir. To come. Sylvie a une intoxication alimentaire. Elle ne pourra pas venir avec nous. Sylvie a une intoxication alimentaire. Elle ne pourrait pas venir avec nous. Sylvie has food poisoning. She won't be able to come with us. Number 84. Une personne. A person. Je connais une personne qui peut chanter l'opéra merveilleusement. Je connais une personne qui peut chanter l'opéra merveilleusement. I know a person who can sing opera beautifully. Number 85. Rendre. To give back. Gerard. Tu dois lui rendre son téléphone portable avant qu'il se fâche. Gérard, tu dois lui rendre son téléphone portable avant qu'il se fâche. Gérard, you have to give him his cell phone back before he gets angry. Number 86. Une part. A share. J'ai acheté une part de cette entreprise. J'ai acheté une part de cette entreprise. I bought a share of this company. Number 87. Dernier, dernière. Last. La dernière chose que je veux, c'est de te voir souffrir. La dernière chose que je veux, c'est de te voir souffrir. The last thing I want is to see you suffer. Number 88. Lequel, laquelle. Which one? Lequel de ces sports préfères-tu, le hockey ou le football? Lequel de ces sports préfères-tu, le hockey ou le football? Which one of these sports do you prefer? Hockey or football? Number eighty-nine. Pendant. During. Carl était en Floride pendant l'été. Carl était en Floride pendant l'été. Carl was in Florida during the summer. Number 90. Passer. To pass. Essay de passer la balle parfois. C'est un sport d'équipe. Essay de passer la balle parfois. C'est un sport d'équipe. Try to pass the ball sometimes. It's a team sport. Number 91. Un peu. A little. « J'aimerais avoir juste un peu de ketchup avec mes frites, s'il vous plaît. »« J'aimerais avoir juste un peu de ketchup avec mes frites, s'il vous plaît. »« I'd like to have just a little ketchup with my fries, please. » Number 92. Depuis. Since. For. « Nous sommes mariés depuis vingt ans. »« Nous sommes mariés depuis vingt ans. » We have been married for 20 years. Number 93. La suite. What follows? J'ai hâte au prochain épisode. J'aimerais connaître la suite. J'ai hâte au prochain épisode. J'aimerais connaître la suite. I can't wait for the next episode. I'd like to know what follows. Number 94. Bon. Bonne. Good. Merci, Myriel. Le repas que tu as préparé ce soir était très bon. Merci, Myriel. Le repas que tu as préparé ce soir était très bon. Thank you, Myrielle. The meal that you prepared this evening was very good. Number 95. Comprendre. To understand. Je te l'ai déjà dit vingt fois. Quand vas-tu comprendre? Je te l'ai déjà dit vingt fois. Quand vas-tu comprendre? I told you twenty times already. When will you understand? Number 96. Rester. To stay. Tu dois rester. La fête vient tout juste de commencer. Tu dois rester. La fête vient tout juste de commencer. You must stay. The party has only just begun. Number ninety-seven, un point, a point. Il a mis de l'avant un point très intéressant lors de son exposé. Il a mis de l'avant un point très intéressant lors de son exposé. He has brought forward a very interesting point during his presentation. Number ninety-eight, ainsi, thus. Il est ainsi. Très important de suivre les instructions à la lettre. Il est ainsi très important de suivre les instructions à la lettre. It is thus very important to follow the instructions to the letter. Number ninety-nine. Une heure. An hour. Je t'attends au parc depuis une heure. Je t'attends au parc depuis une heure. I have been waiting for you at the park for an hour. number 100 une année a year depuis combien d'années habitez-vous ici depuis combien d'années habitez-vous ici how many years have you lived here